Non. Un joli thé, je veux pas ça. Il faut. Où ta gomme? Voilà. Allez. Non, non, prends ça ici. Je veux un joli thé. Je veux pas. Tu vois, là, tu as vu le dessus, n'est-ce pas? Fais-moi un joli thé. Je veux pas voir un thé. Allez, vas-y. Non, reprends à côté. Laisse ça. Tu vas y passer ça. Vas-y, chérie. Et c'est ce que je devais faire? Oui, vas-y. Tu t'appliques. Tu appuies sur le crayon. Continue, très bien, continue. Pas poudre. Je t'aime. Vas-y. Concentre-toi, non. Continue, Alice. Après, tu lis. Hein. Tu finis, tu lis. Continue. C'est comme le thé. Quand je finis, tu, après je lis, après je continue. Oui. Vas-y. Applique-toi. Oui, mais il n'est pas très bon, Jimmy. Il n'est pas. Je suis d'accord, comment il est. Applique-toi, s'il te plaît. Allez. Vas-y. Tout droit, hein, ça ne doit pas être penché. Voilà. Tu appuies sur le crayon. Tu descends, oui. Très bien, continue. Continue. Est-ce que tu sais que les gens te demandent sur Facebook, les gens demandent où Jimmy est passé depuis? Ah bon, j'ai dit que tu es occupé par l'école. Hein? Tu vois? Et heureusement que dimanche, je vais repartir à l'église. Oui, tu seras à l'église. Bon, mais t'as appris aucun chant pour dimanche. Mais je vais plus chanter, je suis fatigué de chanter. Est-ce qu'on se fatigue d'adorer Dieu? Tu adores Dieu. Hein, mon amour, tu adores Dieu. Hein? Mais demain, mais dimanche, je sais qu'on est bientôt dimanche. Mmh. Dimanche, c'est dans 2 jours. Ce que ça veut dire, après, on va louper ça, veut dire ce serait dimanche. Ouais. Alors, mais est-ce que tu peux apprendre un chant en un jour? Shekinah! Ah non, Jimmy, on va pas faire Shekinah! J'ai dit Shekinah! Et si tu peux dire à tous les petits enfants qui te regardent, les parents, que tu es là et que tu les aimes? Je vous aime tous! Voilà. D'accord. Tu dois bien étudier comme la maîtresse te montre. Comme ça, quand tu vas grandir, tu vas aller te marier. Tu iras chez ton mari. Tu non! Loupe ça! Mais tu vas te marier, tu iras chez loupe ton ça! Mari. Tu iras chez tes enfants. Loupe ça! Hein? Loupe ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire recoupe ta de tes affaires, papounet. Ah non. Tu veux pas te marier? Lis alors. Non. Lis alors. Après, tu continues. On a dit que c'est quoi ici? Ok. Ici, c'est quoi? Le. Lis alors. Elle. Il. Oui. Le. Oui. Lui. Oui. Tu. Oui. Te. Ok, continue alors. Tu fais quelle classe? La grande section. Hein? La grande section. La grande section. Continue alors. Et tu t'appliques. Tu vas m'en tuer, n'est-ce pas? Comment il est tout droit. Allez. Ta! Vas-y. Applique-toi. Au revoir, Jemima. Non. Tout à l'heure. Non. Pourquoi? Je veux d'abord lui montrer comment je travaille. Oui, bon, mais moi j'ai faim, je viens d'arriver, il faut que j'aille manger. Tu m'attends. Ah non. Tu m'attends. Non. Ça veut dire que tu m'aimes pas. Je t'aime.
Je t'aime, mais j'ai trop faim, tu vois. Mais tu dois m'attendre. Pourquoi, bébé? Moi, j'ai faim, j'ai voyagé. Je dois aller jusqu'à Yaoundé. J'ai rien mangé depuis le matin, je t'assure. Et là, j'ai un creux dans le ventre. Il faut absolument que j'aille manger. Tu as quoi dans le ventre? Un creux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire j'ai faim. Tu m'attends. Ah non. Vas-y, Jennifer. Ok, ok. On continue le travail. Ok, tout à l'heure alors. Mais attends. Non. D'accord, je t'attends là-dedans. Vas-y, travaille. Tu as encore beaucoup.